Mes amis, nous connaissons le dossier Guy Philippe et Moïse Inch'Allah pour quoi fini. Comment nous est là? Et nous comptons entrer là, Kaino. Nous souhaitons déjà un bon week-end. Dossier ça pour quoi fini, non? Je vais faire une interview sur Info Berto. Berto, je vais vous faire une interview. Quand vous avez un nègre qui parle, je ne sais pas qui est, non, peut-être. Bon, Berto a dit qui est. Mais c'est sur Info Berto. Nègre a expliqué un complot qui fait. Je vais vous attendre, je vais vous possibilité pour attendre parce que peut-être vous n'avez pas attendu une interview sur Info Berto. Nègre a expliqué un complot qui fait sous do Haïtia, Moïse Jean-Charles Ladan. Blanc ta signé yon accord avec Claude Joseph plus Moïse Jean-Charles pour que monsieur Sayo yo ta accepté Robin pour que blanc ou bien yo signé pour que blanc li même li kebe Haïti comme yon réserve. Pas oublier non semaine dernière m'te dit ça. Blanc considérer Haïti, États-Unis, Canada, la France, donc l'Occident, yo considérer Haïti comme une réserve. Parce que peu importe dissolver, il y aura une guerre. Par contre, c'est le troisième nan. On pas connait, mais il y aura une guerre. Et dans moment guerre ça, la Russie gen possibilité nan men pour bloquer un série de bagaille, les États-Unis gen possibilité nan men pour bloquer un série de bagaille. Donc et bois calique pour le là nous bois calique pour gagner possibilité on pral piti oui yo pral mes nan menèg yo ça veut dire le monde pral gagner problème gaz yo pral gagner problème iridium yo pral gagner problème un paquet intrant et le ça yo pral voyager yo bay Haïti yo pral voyager garder Haïti parce que réserve là c'est nous lié et ben kounya nèg y a créé un moyen, nèg y a créé une possibilité pour que Haïti a ouais toutes sortes de cap dit là moi même tout ça déjà même sous toutes de nèg y a dit tout ça y a dit nèg pas jamais d'accord pour quitter Haïti à plonger. OK, ou même sous ouais yo bon une perception que la plonger pas inquiéto nèg y a gagné terrain Haïti plus parce ou moi te fais confiance nèg y a plus intérêt pour protéger Haïti parce que pour ça Haïti gagne là. Ça nous gagne dans sous-sol nous, ça nous gagne en bas en mer nous, pour ça nous gagne là en bas terre nous yo. Il y a utile nèg ça yo. Donc zami a expliqué, il dit blanc dit fòk se yo même, fòk se États-Unis seulement qui gagne droit vin exploiter ça gagne là comme réserve. Et selon zami, bon information que nous pas vérifier parce que une bagaille que me toujours dit l'obtendre un auditeur qui a parlé, oui, un monde qui a parlé, pas toujours quoi dans ça le dit à 100%, même si ça le dit à 100%, parce que la fumée pas levée sans du feu. Nous toujours disons ça. La fumée pas jamais levée sans du feu, frère. Monsieur dit, si Claude Joseph n'a été réuni avec Guy Philippe, tout, Guy Philippe dit non. Comment se fait-il que ma combat un système et puis qu'on y a la boumbe, accepter ça dans mes nous? Négatif. Bon, il faut des amis ça. Ensemble avec Info Berto qui t'a parlé hein qui t'a bail information ça nous pas connait s'il vrai et ça m'a dit nous pas connait s'il vrai mais dit la fumée pas levée sans du feu si monsieur dit ka gon ti cal pourcentage chance pour que information ça lui révèle vrai en suivant ensemble yo invité président Guy Philippe dans une réunion c'est une réunion côté que je dis mon cher pas gain problème pour président à condition ou a signé un contrat Moïse de la rue Abdoula à condition ou a signé un contrat avec nous même nous c'est américain très bien Haïti a été un pays réserve pour nous. Côté que c'est seulement États-Unis qui est capable d'exploiter le pétrole avec l'or en Haïti. Ok. Ou a signé un contrat ça, l'a renouvelé chaque 5 ans. Et pas de notre gouvernement qui a retiré. Il est obligatoirement chaque 5 ans, chaque 50 ans, pour renouveler. Président Philippe, il est l'homme. Beaucoup j'aime ça. Président Philippe dit pas qu'à. Président Philippe dit pas qu'à venir combattre un système. Mon papa dit moi vienne pour me libérer pays pour me prendre signer contrat avec pays étranger pour me vendre pays étranger pétrole avec l'autre qui la caille pendant 50 ans.
tout parler, toute négociation ça avec Moïse Jean-Charles fait yo. C'est l'équipe Moïse Jean-Charles, Claude Joseph, président de Philippe. Moïse Jean-Charles qui ça le fait lui-même, lui prend Claude Joseph, il a le signal. Non, t'as le signal en comprenant qu'il y a monté un conseil. Il y a mon tout conseil, le conseil a fini installé, cap fin finalisé tout le bagage avec la communauté internationale là, côté que l'or, gaz, pas pour nous en Haïti. Mais attendez, à qui titre yo si yon, ça a li conseillé? À titre côté que yo si yon, depuis équipe par yo à président, côté que conseil a val si yon et finalisation. Non, bon, franchement. C'est ça que fait, il y a forcé là. C'est ça que fait la force là pour le conseil, pour le bon conseil qui est installé, qui pour finaliser l'engagement sénateur Moïse Jean-Charles avec Claude Joseph. Ok, maintenant, on avance et sous parti. C'est parce que des bagages qui n'a fait là, pour moi-même, c'est traîner ou bien c'est traîner pays en plus, soit yon, non véritable guerre. Non, c'est en Haïti. Ça veut dire quoi l'argent? En Haïti, c'est pétrole. Non, c'est pétrole, yo. C'est pétrole, yo, avec l'or, yo. Yo, dit Haïti, yon pile pétrole. Ça veut dire pour mettre en réserve. Ça veut dire la pétrole lié. Ça veut dire la pouyo nous même nous pas besoin là dans le même nous pas qu'à faire une coopération pour exploiter pour 40 60 ou 50 50. Non, contrat pas comme ça. Contrat pas comme ça que nous signer lui était réserve pour les États-Unis. Okay. Et l'offre fin de ça. Kounya wap di ket. Eh ben nous gèlè connait malheur d'Haïti. Nous qui les connais, nous qui les comprenons, nous qui les ouais ça mettait Haïti côté mieux là. Gros l'autre zan lui même qui avait expliqué. Là dit mais pour qui ça ou nèg mettait Haïti est allié là. Mais pour qui ça nèg mettait pays à feu et à sang. Mais pour qui ça nèg plonger nous dans niveau ça. Tu as expliqué, monsieur, à bail détail que m'a bonne possibilité pour t'en dire encore. Parce que non, na fond émission aujourd'hui là, faut que nous mettions bagaille à nu. Parce que aujourd'hui là, bagaille conseil des ministres là, n'a pas préparé là pour faire boel. Et au guette boel, peuple là d'accord, oui là. Oh oh, regardez, et moi je dis ça, oui. Peuple là, style bail le gain là, dans affaire conseil des ministres là. Tout le monde pose ça, oui. Alors, comme nous. Tout le monde pose ça, non, bah, conseil, pas conseil des ministres, conseil présidentiel, n'a pas dit. Tout le monde pose ça, mon cher. Jodi an la, zanim, yo, les États-Unis, le Canada, la France, les CARICOM, comme groupe, moun sa va préjoui. Parce que yo impose nous un conseil présidentiel et nous tout nous accepter le GFM. Sans poser question même. Même sous tande gen moun ki dou, yo pa le faire manifestation. Des moun ki ta de faire manifestation, yo tout yon dans le conseil là. Et ça doit connaître. Yo tout yo là. OK? Équipe Ariel là. Donc m'a parlé lui André Michel, on comprend moun za yo. Moïse Jean-Charles, équipe petite de Saline, yo tout yo dans conseil là. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes livrés. Je dis l'ordre qu'on est. Il y a une vraie bataille à mener, mais ne pas qu'à mener bataille là avec moun za yo, c'est contre yo pour nous mener. C'est eux qui nous là, c'est eux qui mettent nous là. C'est eux même qui ban nous réalité ça que nous gè là, mesdames messieurs. Nous prenons chaud hein. OK? Mon fort en des amis ça nous cap expliquer dans quel niveau Haïti a livin pour être une sorte de réserve pour négo. Négo pas plus jamais d'accord. Ouais, nous donc là, selon nous, on est dans environ 156 000 haïtiens qui ont débarqué à l'Ebaïden. 156 000 qui ont eu autorisation de voyage dans la main là, pour aller à l'Ebaïden. En attendant, nous battons. C'est quand on paquette l'autre pays qui ouvre Braille, attendant nous. Et là, comme ça, on a dit, pesez accélérateur, pesez volume et sécurité, à vivre le monté. Mettez-le dans le dernier niveau maximum. Non. Mettez le dernier niveau, montez le high level. Parce que c'est ça qui pour faire tout haïtien comprendre vraiment. Plus gros espoir ou bien plus gros cadeau capable de faire tout, c'est quitter vieux pays ça. En suivant, en dade. Nous avons une réflexion qui a parlé de richesse haïtienne. Raison qui fait blanc ou elle toujours persécuter nous dans le niveau ça. Hein? Les papes, j'aime bien avancer, non? Là, toujours voulu pour nous rester dans la boue, en suivant ça. Nta vle nou konnen raison ki fè yo livre nou bay bandi, raison ki fè Haïti jenye la et raison ki fò wè
yo tout viré do ban nous parce qu'on plan. Et Trump dit, ouais ça Trump dit, Haïti a vanyon lè, y a pris ton lè, nous pas pour Haïti a existé, et Haïti yon jounab dit, Timo Sote sa, kote moun yo ka viv la de yo, tout gen pour aller aux États-Unis. Haïti son pays qui riche en iridium. Iridium, yo dou c'est en Afrique du Sud, qui premier pays riche en iridium, premier réserve, pourtant c'est Haïti. Gen deux pays qui riche en iridium dans le monde là, c'est Afrique du Sud et Haïti. Haïti placé en première position, mais au métro là en deuxième. Iridium là, son métal précieux, yo utilisé pour faire moteur avion parce qu'il a une capacité il endure des hautes tensions, chaleur, haute capacité de chaleur. Le moteur avion a viré pote 150 à 200 moun. Moteur ça viré. Ou pas imaginer aussi tellement il ca tellement ils vont au niveau chaud. Il ka vin fond faire ka fond et bien ça iridium yo fait Haïti nous gon paquet iridium nan au sud-est d'Haïti yo tout nan ouest là nan Port-au-Prince ça c'est iridium en tout cas ou après prend son pourtant des causes ou pas de jambe connaît pour qui y a fait nous ça fait nous là mais peuple haïtien prier yon jou nous gen pour nous délivrer nous non pays qui tellement riche c'est bloc iridium nous gen c'est pas sans raison ouais film yo le Wakanda yo joué en Haïti et ou après gon petit chala il fait en Haïti et yo gon l'autre métal yo le vibranium Haïti chargé ça c'est bloc montagne yo dou Haïti qui skea au boyo qui veut dire merde de toutes les terres en tout cas quitem qui tou tendez tendez causer tendez saper en nous nous c'est peuple qui tellement riche celle iridium nan ka développe Haïti. Regardez, 50 fois plus que États-Unis. Ou comme ça? Semble non pas comme ça qu'iridium là. Iridium, tant qu'on pierre, tant qu'on roche, yon once iridium égale 0,028 kg. Yon once. Et yon once égale 28 grammes. Yon once iridium, je vais regarder là, vaut 6 fois plus que l'or. Capacité, valeur. Il 6 fois plus que l'or, yon 11 $26,000 et de jour en jour la vente plus cher. Iridium nan c'est li utilisé l'or on fusé à monter là. Pousser du fait j'en regarder là, c'est iridium qui fait yo métal ou qui kembe capacité chaleur, c'est iridium yo fait. Sans li yo pas ka voyer satellite en l'air. Haïti premier pays chargé. Adieu. Ou pas j'ai tué nous yo quitté nous a fini pour nous pas exister encore. Plus nous trouvons nous dans centre monde là, nous fait partie de l'Amérique centrale. Là nous fini à venir prendre toute terre et pour ça avec exterminer nous. En tout cas, quittez-moi quitte autant de prends son temps de en français ou à comprendre. Tendez. Cette vidéo est le 6e épisode. Elle vise à apporter des preuves substantielles visant à attester que Haïti était la terre des rois, que les rois de France étaient les rois d'Haïti et que l'histoire de France est en réalité l'histoire d'Haïti. Aujourd'hui, nous allons prouver que Haïti est au centre de la terre. C'est-à-dire que Haïti est situé sur le noyau terrestre. Et c'est pourquoi l'Empire d'Haïti était le centre civilisationnel des Hébreux, c'est-à-dire le territoire central où toutes les décisions importantes étaient prises. Mais tout d'abord, définissons le mot Haïti qui s'écrit avec un Y et non pas avec un I ou I tréma. Comme nous pouvons le voir dans l'acte d'indépendance et la constitution du père fondateur, de celui qui rétablira l'Empire en 1804, qui est nul autre que Jacques Ier, connu également sous le nom de Dessalines. La mauvaise orthographe de Haïti avec un itréma ou i vient des francs-maçons qui instaurèrent la République et la démocratie. En effet, lorsque les puissances occidentales complotèrent pour détruire l'Empire d'Haïti et que ce dernier fut détruit, ils vinrent avec cette nouvelle orthographe. Dans le but de faire baisser en vibration le nom et son énergie, car l'énergie vient du nom et de la bonne orthographe du nom. Ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, que signifie Haïti? Tout d'abord, il faut savoir que l'île a deux noms. Celui que vous connaissez, Haïti, est Kiskeya Boyo. Selon les Taino, qui est en réalité un nom codé pour dire Siano, donc Haïtiano, donc désigné ceux venant de l'Empire d'Haïti, il est dit que Haïti signifie terre montagneuse et que Kiskeya signifie mère de toutes les terres ou mère de la terre. Comme on peut le voir dans le Harper New Monthly Magazine, publié en 1873, où l'on peut voir le passage suivant, Kiskeya, Mother of the Earth. Nous trouvons également la même définition du mot Kiskeya dans le Commerce Report, volume 4, publié en 1918. Dans le passage suivant, Kiskeya, meaning Mother of the Earth. Dans le livre intitulé Santo Domingo, publié en 1873, on y trouve la définition de Boyo. On peut lire le passage suivant,
Boyo, which signifie land of many villages or habitations. Donc nous pouvons dire que Boyo signifie maison. Donc Kiskeya Boyo signifie la mère de toutes les terres et ma maison. Et Haïti, sous sa vraie orthographe, est un nom codé signifiant Ya-Ti, c'est-à-dire la terre de Ya. C'est la raison pour laquelle ils ont modifié son orthographe. Maintenant que nous savons ce qu'est Haïti, nous allons prouver pourquoi elle a cette appellation. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que c'est en Haïti que l'énergie se trouvait. Est-ce que ça arrivait sous? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Dimension bataille que nous demandons qui pour faire là, engagement que nous demandons qui doit gagner. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et puis tout, est-ce que Haïti comprenne aujourd'hui là que nous, on dit, c'est utiliser, blabla, utiliser. Est-ce que nous comprenons ça? Nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons aujourd'hui là, nous paraissons instruments dans mes blancs, les utiliser nous comme bon lui semble? Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous prenons conscience de ça? Blanc a juste besoin pour l'utiliser nous. Tout dirigeant qui passe là, même si blanc bon bon dans, blanc montre les remonts, etc. Pas inquiète, frère. Parce qu'au cabal ça le besoin. Parce qu'au capable de craser Haïti, mettez les gens le besoin. Actuellement, là, Haïti n'a pas blanc. La café dilatoire bien, la café lobby bien, la café manipuler nous bien, et la continue à manipuler nous. Nous n'en goul. Haïti n'a pas blanc. Mais qui l'en a pas compris? Nous sommes des manipulés. Qui l'en a pas compris? Le blanc nous a utilisés. Qui l'en a pas compris? Blanc prend nous le fait, nous traite propre pays nous. Dis-moi, sauve-les. Même si les bandits sont bêtes, ils ne réfléchissent pas, ils ne sont pas non, etc. Mais ils sont des Haïtiens. Alors pourtant, dis que les campé, comme si les gardé comment pays, je dis bien pays, comment pays n'est pas fini. Et puis ils ne pas soucieux, ils ne pas fait rien. Ils ne pas poser aucune action, au contraire, c'est lui-même qui a posé action pour finir de craser. Je comprends. C'est comme si les gars ne pas gagné, qui passé dans la tête du tout. Il n'y a aucune réflexion à faire pour dire qu'il n'est pas normal. Pays ne pas dans l'état ça. En attendant, nous, patron. Alors, vous voulez dire, il n'y a pas gagné un instant, il n'y a pas gagné un moment, il n'y a pas gagné une période du tout. Quand il y a un bagage qui traverse, pour dire non. Mais c'est parce que l'autre nègre a recevoir le pire toujours. Le nègre a recevoir l'autre ça. Nègre la connaît, li capable aller en prison, blanc à touyel. Je dis à la, engagement ouais Guy Philippe prend là pour le camper et pour dire bon lui-même, li pas dans l'Occident, li pas dans les États-Unis, etc. Engagement ouais Guy Philippe prend là. Yo presque mettez monsieur sous même liste avec barbecue. Yo voulez mettre monsieur sous liste théorie, sous même j'ai avec barbecue. Vous devez comprendre ça, je dis à. Parce que qu'on velléité pour que bataille qu'a mené faut qu'on toujours paraît comme un traître. Ariel Henry là, ouais comme un blanc Kimbel. Mais c'est une bonne chose lui pour lui pendant m'a dit ça qu'il soit encore en vie. Il était catouyel. Il était faire de Jovenel Moïse. Pas dit pour comprendre que l'assassinat de Jovenel Moïse n'a pas été planifié en Haïti. Pas dit pour pas te connaître. Pas dit mon pas te connaît tout ça qu'a planifié yo d'ailleurs majorité réunion faite aux États-Unis. Pas dit mon pas te connaît tout toute démarche aux États-Unis a fait là c'est pour laver visage li pour montrer le monde entier que li paraît plutôt innocent dans assassinat Jovenel Moïse. Pas dit pas te connait ça yo et sou pas te connait le bon bien content que c'est moi même qui apprend nous. En attendant nous blanc toujours besoin des conseils, li toujours besoin c'est de traître, li toujours besoin monde qui disponible pour lui disposer pour lui pour craser son pays. Et il est toujours jeune. C'est avantage ça, il est toujours jeune. Il faut attendre Nathalie Yamb. Nathalie Yamb qui a parlé de Ariel Henry. Tu as parlé de même Sam Dabdila. Tu as expliqué dans quel niveau, et comme si le blanc finit d'utiliser, etc. C'est un capote ou bien comme un ou même comme un papier hygiénique. La petite Sam Dabdila. Nathalie. Ariel Henry, dont les mêmes veulent aujourd'hui se débarrasser après l'avoir bien utilisé, devrait se considérer heureux d'être en exil au Porto Rico depuis quelques jours. Au moins, il est en vie.
C'est le moment de rappeler à tous ceux, que ce soit en Haïti ou en Afrique, qui se mettent avec zèle et enthousiasme au service des colons, qu'ils finissent toujours comme des Kleenex, jetés après usage. Aujourd'hui, le pion Ariel Henry a fini de servir. Pour s'en débarrasser, on a activé le pion barbecue. Et on se prépare déjà à faire entrer en scène le nouveau pion politique qui va continuer de dérouler l'agenda d'assujettissement permanent d'Haïti. Peut-être est-ce Guy Philippe, cet ancien chef de la police formé par les forces spéciales américaines, qui a participé au coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide en 2004, qui est revenu sur l'île en décembre 2023 après quelques années passées en prison aux États-Unis pour trafic de drogue, trafic pour lequel il a plaidé coupable. Depuis 3 mois qu'il est revenu sur l'île, il bénéficie déjà des services d'un groupe paramilitaire. Ce n'est pas un fait nouveau que les États-Unis placent d'ex-dealers de drogue à la tête d'États étrangers. Ils l'ont fait au Nigeria avec Bola Tinubu, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas en Haïti. D'autant plus que les marionnettistes, les tireurs de ficelles qui sont à l'œuvre aussi bien en Haïti qu'en Afrique utilisent toujours les mêmes mécanismes. Premièrement, des hommes politiques vassalisés. Deuxièmement, des intellectuels aux ordres, en attente de visa, de financement ou de reconnaissance occidentale. Troisièmement, des voyous, des rebelles, des terroristes ou des gangsters, armés pour déstabiliser les États et semer la terreur parmi les populations. Quatrièmement, des armées nationales affaiblies, mal formées, mal équipées ou même inexistantes. Cinquièmement, une intervention militaire étrangère. Sixièmement, un ou plusieurs États voisins sanctuaires. Septièmement, une communauté régionale au service des puissances occidentales et non des États et des populations de la région concernées. Huitièmement, l'utilisation de la dette ou de l'aide comme un instrument de coercition. Neuvièmement, la propagande et la désinformation, et dixièmement, l'utilisation de l'ONU, du Conseil de sécurité et de toutes les institutions issues de la Deuxième Guerre mondiale où la solidarité occidentale à toute épreuve s'exerce pour maintenir les pays concernés sous tutelle. Voilà 10 points que je viens de vous citer. Et si vous les regardez, vous verrez que le mode opératoire est exactement le même en Haïti qu'en Afrique. Les hommes politiques vassalisés comme Ariel Henry ou avant lui Jovenel Moïse, Michel Martelly, Gérard Latortue, etc. ont leurs jumeaux ici en Afrique avec les Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon, Oumaro Sissoko Embalo, Bola Tinubu, etc. Et ceux qui sont récalcitrants sont dégagés ou liquidés. Bertrand Aristide, écarté par un coup d'État sponsorisé par la Trinité maléfique en 2004, peut venir témoigner, à la différence de Jovenel Moïse qui repose 6 pieds sous terre. Et les Occidentaux ont sponsorisé et continuent de sponsoriser les groupes armés terroristes comme le MNLA, la CMA et autres qui déstabilisent le Mali, le Burkina et le Niger. Alors qu'en Haïti, ce sont des gangsters comme Barbecue et son G9 qui sont mis à contribution. Les accords de défense et de coopération militaire de plus de 60 ans avec la France ont résulté en des armées africaines totalement démunies, déstructurées, sous-équipées, qui étaient et qui sont encore pour certaines d'ailleurs la risée du monde. En Haïti, ils ont carrément dissous l'armée depuis 1995. Les USA ont décrété que l'armée ne servait à rien, que de toute façon, eux, ils sont juste à côté, et que la mise en place d'une police était suffisante pour Haïti. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 0 armée, des forces de police sous-équipées et des gangsters suréquipés qui peuvent se permettre de gaspiller leurs munitions en tirant en l'air à tout va pour effrayer les gens ou pour abattre des dizaines de policiers sans souci, alors que ceux-ci sont obligés d'économiser leurs munitions.
Au niveau des États sanctuaires, c'est la République dominicaine qui sert de lieu de repli des déstabilisateurs et de passage pour tous les trafics pour armer les gangs haïtiens. Tout comme à l'époque, quand la France voulait à tout prix installer Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina Faso de Blaise Compaoré et le Mali de Toumani Touré et de Choguel Maïga qui servaient d'État sanctuaire aux milices armées de Guillaume Soro pour chasser Gbagbo. Je voudrais maintenant m'adresser à mes frères et sœurs d'Haïti. Je voudrais vous dire qu'on pense à vous, qu'on souffre pour vous, qu'on souffre avec vous. Vous êtes nombreux à me suivre et je sais que vous savez que nous sommes nous-mêmes aujourd'hui sur le continent africain en plein milieu d'une lutte de libération pour nous débarrasser des mêmes sauvageons, des mêmes barbares, des mêmes larbins qui vous martyrisent, vous pillent, vous poussent à mourir de faim ou à mourir sous les balles des voyous qu'ils financent. Les vrais cannibales, ceux qui mangent nos vies, ceux qui mangent nos morts, ceux qui dévorent nos vivants, qui nous dévorent vivants, c'est eux. Yeah, man. Vous comprenez? Il dit, Ariel doit s'estimer heureux, heureux d'être encore en vie, d'être toujours en vie. Gon velléité, je dis en là, pour que les nègres finissent servi blanc, pour blanc pas quitter l'envie, ou comme ça? Parce que nègres viennent trop secret. Nègres viennent trop secret, nègres viennent trop bagaille, nègres viennent trop réalité devant. Même nègres, ça, les cas décidé le dépôt de jour, les comptes blancs, les virer comptes blancs. Blanc toujours peur ça, oui. Blanc toujours peur ça, il toujours peur réaction ça. Et ça fait pile fois, là elle vient servir ensemble avec Mounsao, il mette son lit traître. Il n'a pas besoin. Yo. Ouais, Guy Philippe, il faut que Guy Philippe veille l'école. Parce que monsieur son nec blanc veille, blanc marqué. Blanc font maquage à la culotte sous Guy Philippe là. Yeah! Guy Philippe pas nec comme si, qui a fait n'importe quoi pour penser, blanc a fait manger, garder le nom. Non, mon cher, négatif. Parce que blanc utilisait Guy Philippe déjà et il connaît tout qui est ce qui Guy Philippe. Il connaît toute stratégie, il te demandait Guy Philippe pour l'utiliser. Ça veut dire que c'est le secret Guy Philippe qu'on le lit. Et pas blague dans ça n'a pas là. Juste font une recherche approfondie ou même comprendre ça n'a. Nous invitons au fond dépassement de soi. Ou comprendre ça n'a pas là. Ça m'a expliqué. Ça m'a tenté expliquer là là. Blanc a un plan, il a un monde. Li. Ok? Blanc a un plan, frère. Quand il y a la face situation ça, vous obligez à demander quelle issue. Et c'est n'a pas retourné dans la vidéo Infoberto que me saute fort en détail là. Côté, n'a pas expliqué, l'a pas expliqué dans quel niveau, comme si complot a fait, n'a pas été réuni ensemble avec Guy Philippe. Guy Philippe dit non, je ne vais pas faire payer à ça. Guy Philippe dit bon, je voulais combattre ton système. Et puis, quand il y a là, n'a pas demandé bon, je vais le système là encore. Tout ce qu'il a fait là, n'a pas eu ce système là pour le vie. Ce système n'a pas tenté de recamper. Parce que n'a pas arrivé dans une position, il est arrivé dans un moment où il sentit que le système n'a pris une grosse calotte. C'est que le peuple a commencé à l'ouvrir depuis ce jour-là. Le peuple a commencé à comprendre ce système. Le peuple a commencé à envie comprendre qui est-ce qui constitue ce système. Donc s'il n'a pas qu'à manger, s'il n'a pas qu'à boire, s'il n'a pas qu'à voir petit ni l'école, il commence à comprendre la réalité du système. Le peuple a commencé à me dire, c'est ça le système. C'est bagaille ça, c'est lui-même qui fait petit, mais pas qu'à l'école là. Pendant ce temps, il a même petit paio, il a étudié dans un gros pays. Le peuple a dit, ya, je commence à comprendre ça. Et songez, je n'ai pas jamais aimé pour comprendre ça. Je n'ai pas jamais aimé pour comprendre ça. Parce que je voulais pour toujours être dans la servitude, pour mettre dans la tête que c'est eux-mêmes qui sont sauveurs. Et je n'ai pas tiré dans son air. Pendant ce temps, qui est-ce qui met tout là-dedans eux-mêmes? Vous ne comprenez pas, non? Pas quel pays actuellement là? En Afrique, ouais, chaque petit bagage, je vais partager ensemble avec vous. C'est orgueil, je m'a fouetté. Je m'a testé niveau orgueil. Tout le pays d'Afrique, ça y est, tout ce petit monde devant nous. Nous indépendants avant nous. Mais je dis en agadé. Nous sommes la première République noire indépendante du monde. Regardez où nous sommes. Et regardez les autres pays. Le bon pays là pour 30 ans non, depuis qu'on est indépendant. Je vais avoir 30 ans de vie au Liban, mais regardez le niveau de développement. Il y a des pays qui peut-être ont 10 ans là, mais ils ont regardé dans quel niveau. Ils ont regardé la croissance économique. Ils ont regardé comment ils croissent. Yes, man. Vous voulez comprendre ça?
Parce que des situations nous trouver nous, il va des façons de présenter nous comme si nous disait est-ce que nous passons nous pour compte nous sous carte et mondial là. Mais non, des pays qui suivent nous. Qui monde qui suivent nous. En dépit de tout malgré tout. Et ça fait nous souvent demander nos dirigeants pourquoi ça va pas faire un dépassement, pourquoi ça va pas comprendre aujourd'hui là la nécessité qu'il y a pour nous retirer pays à côté lié là. Leader politique nous, soi-disant leader nous, nous soi-disant leader, pas qui y ont voué non, nous sommes que y ont seul, pas qui y ont voué non, parce que y a monde qui peut-être dit mes amis, Moïse Jean-Charles c'est seul espoir, y a monde qui te pense Moïse Jean-Charles là est seul espoir qui là, vous pas comprendre, bon même si mon zayo, on trouve où t'es fou tout, mais quand pile là yo, Moïse Jean-Charles c'était dernier espoir où t'es guère c'est quoi? C'est quoi moi j'ai chalté. Et moun sa yo, yo prend plus gros saut qui gèl la oui. Moun sa au déçu. Moun sa au dit pas penser c'est moi Jean-Charles qui t'a prend coupe ça qui t'a fait coupe ça mais mon côté so j'ai m'analyser ensemble avec vous déjà. Ça peut constituer comme le plus gros coup politique que moi Jean-Charles n'ait jamais posé. Tant pile moun qui analyser dans sens ça qui wèl comme ça. Parce que yo estime alliance Moïse Jean-Charles ensemble avec gang sa yo là k'ap krasé k'ap brisé k'ap touyé moun raché moun meté nan droum m pas sou wè vidéo ça déjà côté nèg yo ap raché moun meté nan droum tankou lo ap raché cochon hein meté nan cuvette meté nan bokit meté nan chaudière nèg ap raché moun pour comment bon bouda moun nan nèg yo prend machette ap passer là dedans et cetera yo pa gen aucun respect pour la vie pa gen aucun respect. Comment un leader politique vous voulez associer avec ça? Bagay ça retire un paquet de plumes sur Guy Philippe. Bagay ça retire un paquet de possibilités dans Guy Philippe. Oui. Un paquet de considérations sur qui était pour Guy Philippe. Bagay ça retire. Oui. Parce que vous avez dit que vous ne comprenez pas comment Guy Philippe fait courir un bagay comme ça. Comment Guy Philippe fait d'accord, comment il fait accepter pour ne pas citer non, pour ne pas sentir à l'aise, comme si pour ne pas reprendre moi, comme si ne pas voulait prendre palais national pour remettre lui. Comment monsieur fait accepter un bagay comme ça? On ne qui dit lui-même, le projet parle là c'est pour peuple, c'est peuple lui, etc. Donc c'est peuple haïtien, c'est pour peuple à la boum, etc. Et puis nous tous, nous, ça qui a passé là, comment ce peuple a payé pour casser, comment ce peuple a crevé de faim chaque jour. Je dis à l'angle, il n'y a pas de problème gaz pire dans des gouens nous. Terminal fermé, pas de gaz, on a besoin de gaz, mon cher, sans bas goumé, pour un goumé qui a un bas pompe. Pourquoi vous mettez en bas pour que nous retirions un gaz? C'est une situation facile du tout, non? Alors, pour nous devons mener bataille pour le peuple, quand nous devons garder le peuple, ça devons mener bataille pour lui, ou est-ce qu'il traîne dans le niveau ça? Ce peuple-là qui traîne pour jouer un petit goût de gaz, ou devons mener bataille pour lui? Quand nous devons garder le peuple dans ça? Comme si pas qu'on ne sait pas du tout pour dire que ça n'est trop. Peuple a pas de peuple a pas ca continuer plonger dans ça nous pas capable encore nous les pas ouais causer laboratoire nous pas gain ça encore nous pas gain ça encore nous laboratoire qui t'a dû produire médicaments ban nous et cetera nous perdu yo bandi envahi yo bandi pillé yo bandi mettre du feu bon c'est de conteneur médicaments t'a sorti République Dominicaine bandi prend yo nous qui t'a nous pénurie médicaments et là oui dans pays là on pénurie médicaments dans pays là oui. Ou gros manque, oui. Qui me dit qu'on n'a pas qu'à venir, non? On entend nous, patron. Pour combien de temps on a qu'à Kimbe là encore? Combien de temps on a qu'à passer dans ça encore? Et puis, on a dit qu'on a mené une bataille pour peuple. Qui peuple? Pour qui peuple? Si j'ai dit qu'on a si on a malade, on a vu ambulance qui a venu pour eux, mais un peuple là. On a un hélicoptère ambulance qui a venu pour eux, mais un peuple là. Même si tu as dit qu'on a fermé, on a dit qu'on a c'est VIP, on a besoin de moyens pour passer quand même. Y'a besoin de laisser passer quand même, oui. Y'a besoin de me lever quand même, oui. Mais peuple là. Vous êtes connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Haïti Réflexion, c'est dans Chanel là. Et puis, ces amis, ou frères, ou exercices, ils aiment être ensemble avec vous, qui toujours ensemble avec vous, qui toujours prend plaisir et plein d'actualité. À pas oublier nous-mêmes. Nous pas vraiment by news, nous fait analyse. Nous fait analyse de ça qui a passé dans l'actualité. Nous prend des événements et puis tout nous analyser, ok, situation socio-politique pays, conjoncture pays, nous analyser ensemble avec nous, nous venons exactement mais ça qui a passé.
Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. N'ap croisé prochainement pour une autre vidéo.